Vous vous prenez pour son avocat? Allez, dehors. Qu'il me fasse un procès pour devenir riche comme tout le monde. C'est comme ça que ce pays est devenu... Jameson, espèce de larve! Où est le photographe qui prend ces clichés de Spider-Man? Je ne sais pas qui c'est, il nous les envoie par la poste! C'est ça là! Non, c'est vrai! Il est le seul à pouvoir m'amener à lui. Je jure que j'ignore qui c'est! Alors tu es inutile, espèce de... Pose la terre, l'affreuse! Hein? Quand on parle du loup... Le marinier, j'en étais sûr, vous êtes complices tous les deux! Hey, fiston, laisse un peu parler papa et maman, d'accord? Fais dodo! Petite araignée, réveille-toi. Non, tu n'es pas morte. Pas encore. Seulement paralysée. Provisoirement. Tu es une créature stupéfiante, l'araignée. Toi et moi ne sommes pas si différents. Ah, je ne suis pas comme toi. Tu es un meurtrier. C'est comme ça. Chacun son destin. J'ai choisi ma voie. Tu as choisi celle du héros. Et les habitants de la ville t'ont trouvé amusant pendant quelque temps. Mais il y a une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros. C'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Pourquoi t'accrocher? Parce que c'est juste. Je vais te dire la vérité. Il y a 8 millions d'habitants dans cette ville. Cette gigantesque fourmilière humaine a un seul et unique objectif. Admirer et porter sur ses épaules les êtres exceptionnels. Toi et moi, nous sommes exceptionnels. Sache que je pourrais t'écraser comme un insecte sur le champ. Mais je vais te laisser le choix. Joins-toi à moi. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Ce que nous pourrions créer. Mais nous pourrions aussi détruire, causer la mort d'innombrables innocents tant d'égoïstes au combat, encore, encore et encore, jusqu'à mourir tous deux. Est-ce là ce que tu veux? Réfléchis-y, héros. Dernière nouvelle, Spider-Man et le Bouffon Vert terrorisent le quotidien. Les citoyens demandent l'arrestation de la vermine rampante. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester.